À des milliers de kilomètres de la bande de Gaza, cette Montréalaise d'origine palestinienne est grugée d'inquiétude, sans nouvelles depuis de longues heures. J'ai pas de nouvelles de ma famille. La dernière message que j'avais reçu, c'était de ma tante Fadia. Elle m'avait dit, Dalia, que la maison vient de se faire bombarder. Cette inquiétude, elle est ressentie aux quatre coins de la planète. Les élans de solidarité se multiplient, à Montréal aussi. Sioniste fasciste! Une semaine après l'attaque du Hamas contre Israël, un deuxième rassemblement pro-palestinien en deux jours, cette fois-ci organisé par le controversé imam Adil Sharkawi. On se trouve sur la rue Christophe Colomb, ici à Montréal. Vous le voyez, des centaines de personnes réunies dans le but de montrer leur solidarité envers le peuple de la bande de Gaza. On est venu ici pour protester pour les droits humains de nos frères et sœurs palestiniens qui se font tuer en masse depuis quelques jours. Pour dénoncer les attaques contre les enfants, on voit tous les jours, il y a 600 morts enfants et plus de centaines de femmes. Et ça, c'est pas correct, c'est pas vraiment correct. Je suis ici pour ça, pour dire non, arrêtez ce massacre contre le peuple palestinien. Ce qui est demandé ici par les organisateurs, c'est auprès du premier ministre Justin Trudeau. On demande à ce qu'il condamne fermement les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. On peut tuer les enfants, on peut bombarder avec du phosphore blanc, on peut couper l'eau, l'électricité, et ça, c'est une injustice. Ça ne devrait pas être la position du Canada. Devant le bureau du député de Papineau, également premier ministre du Canada, Justin Trudeau, les organisateurs scandent. Israël terroriste! Israël terroriste! Trudeau complice! Trudeau complice! Les policiers, ils sont nombreux pour sécuriser la zone, même si la manifestation se déroule calmement. Il y a même la cavalerie du service de police de la ville de Montréal. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, Montréal.